Good morning, allez, Iden, les tuzes aujourd'hui, les Lounishmat, Olga Batsolvanish, Machlouf Mira Ben Masouda, Rivka Batlevitra, Kedov Ben Yodit. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions ma Sechet Kinim, Perek Bet Mishnah Hei. Chatat Mikan ve Ola Mikan Stuma Baemza. Barach Minaemza les Zadin, Echad Elach ve Echad Elach, Lo Hifsid Klum. Ela Yomar, Ze Shalach, Etzel Chataot, Chatat. וזה שלח אצל עולות עולה. חזר לאמצע, האמצעים ימותו. אלו יקרבו חטאות, ואלו יקרבו עולות. חזר, או שפרח מן האמצע לצדדין, הרי כולן ימותו. יש מרצה פה לממן, parce que c'est deux sujets bien distincts dans le Mishnah, qui n'ont pas de rapport entre eux. Donc je commence à la première partie qui est on ne peut plus simple. Vraiment, je ne sais pas pourquoi des fois la Mishnah reprend des notions évidentes pour les illustrer encore dans d'autres cas de figure, alors qu'on connaissait déjà tous ces axiomes de base, toutes les Mishnayot qu'on a déjà étudiées, elles étaient fondées sur ça. C'est vraiment, des fois j'ai des questions, je me demande pourquoi, à quoi elle sert. Vous allez voir, elle est très simple la Mishnah. Chatat mikan ve ola mikan. On parle maintenant qu'il y a un oiseau chatat d'un côté, un oiseau ola de l'autre côté, et vestuma baemsa, et une paire d'oiseaux indéfinis au milieu, que tu peux décider qui sera chatat, qui sera ola. D'accord? La Mishnah de la même... La suite de la Mishnah, on va comprendre qu'en réalité, il n'y avait pas un seul khatat et pas un seul ola. On parle qu'il y avait même aussi plusieurs khatat et plusieurs ola, peu importe. Il y avait des khatat, un ou plusieurs, des ola, un ou plusieurs, et un kanstuma au milieu. Ce qui s'est passé, c'est que parach minaim, ça, la tzadadin, il y a eu des oiseaux qui se sont envolés, les oiseaux qui étaient au milieu, en partant sur les côtés, et chad helach ve chad helach, un d'un côté et un de l'autre. D'accord? On a compris la scène, des khatat, des ola, des indéfinis. Un qui part ici et l'autre qui part là. Alors qu'est-ce que vous dites? Ben répondez tout seul. Il n'y a rien de grave. Ils n'étaient pas définis, ben définis-les. Et dit, l'Oifsid Klum, il n'a rien perdu. Et la Yomar, mais il dirait comme ça. Zeshalach et Zalachataot. Khatat, celui qui est parti se mélanger avec les Khataot, il deviendra Khatat. Zeshalach et Zalacholot, Ola. Et celui qui est parti se mélanger avec les Olot, il sera Ola. Et comme ça, il pourra faire les Korbanot. Ok? Chazar la Emza. Si toutefois, maintenant, les oiseaux sont revenus au milieu, et, bien évidemment, ils sont revenus au milieu, mais ils sont mélangés, on n'a pas fait attention qui a pris la place d'où. Maintenant, on a un khatat et un ola qui sont mélangés au milieu, des khatot et des olot, mais de chaque côté. Et ben quoi? Aem tsaïm yamuto, ceux du milieu, ils vont mourir. Elo, ikrevu khataot, ceux qui sont là, qu'on a défini comme khatat, et ben ils seront khatat. Elo, ikrevu olot, et les autres, ils seront apportés en tant que olot. Ensuite, maintenant, pas ensuite, non, plus tôt. Quand ils sont revenus les deux, ils se sont mélangés au milieu, qu'on t'a dit qu'il fallait laisser mourir, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, Khazar, s'ils sont repartis, chacun dans leur... ils sont repartis, mais on ne sait pas qui est parti où, en fait. Peut-être qu'ils se sont croisés. Donc, en fait, on ne sait pas si maintenant on a un Ola qui est parti avec les Khatat, et un Khatat qui est parti avec les Ola. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Devinez tout seul, ce qu'il va avoir marqué dans quelques secondes. Arrêt, Kula, Namoutou, il faut les laisser mourir. Sauf que la Mishnah a pris encore un deuxième cas qui est compliqué à comprendre. Qu'est-ce qu'elle est venue rajouter? Donc, Khazar, ils sont repartis. Donc, on avait au milieu des oiseaux mélangés. Ils sont repartis. Or, Sheparach, Mina, Emza, les Adim. Ou bien qu'ils se sont envolés du milieu sur les côtés. C'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce cas? Ouais, le Tifa va proposer deux Pirushim. Je vais le dire tout de suite. D'abord, je finis la phrase. Arrête, Kulan, Yamutu. Il faudra tous les laisser mourir. Parce que maintenant, il y a peut-être des Khatot et des Olot mélangés. Tu ne pourras pas les faire encore même. Quelle est la difficulté maintenant? Cette phrase bizarre là, Oshepar Menemta, ils sont envolés du milieu sur les côtés. C'était la même chose, c'était le cas de Khazar. D'accord? Le seul qui pose la question, je suis très étonné, c'est. Ah non, non, il y a aussi le Tosafot aussi qui parle de ça. En tout cas, le Tiferet Israël propose une des explications. En fait, non, c'est qu'il y en a eu un seul qui s'est envolé, qui est reparti, mais qu'on n'a pas vu où il est parti. D'accord? On a eu un moment on a vu qu'un oiseau qui s'est envolé, qui s'est mélangé, on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Bon ben dans un cas pareil, alors il faudra tous les laisser mourir parce qu'on aura un doute de partout. Ok. Deuxième partie de la Mishnah. En mevin turin keneged ben yona velo ben yona keneged turin. Keitzad. Haisha sheviya chatata to. Veolata ben yona. Tichpol vetavi olata to. Olata to vechatata ben yona. Tichpol vetavi olata ben yona. Ben azayomer. Olchin achav arishon. Haisha sheviya chatata vemeta. Yaviu Ayorshin Olata. Olata va meta. Lo Yaviu Ayorshin Khatata. Et on explique.
Comme on a dit déjà, dans toutes sortes de kaparot, la Torah nous a donné la possibilité, nous a dit qu'on devait et qu'on pouvait apporter des volailles en korban, hein, qui sera khatat, hein, qui sera ola. La Torah a toujours laissé la possibilité d'apporter des torim ou des bnei yona. Des torim, des bnei yona, c'est des pigeons, mais bnei yona, des petits pigeons, des enfants pigeons, c'est-à-dire qu'ils sont à la première année. Les torim, c'est des adultes, ce sont des tourterelles. Alors, soit tu apportes des espèces de tourterelles, soit tu apportes des espèces de bnei yona. La Mishnah me dit, bah, tu sais quoi? Lorsque tu dois apporter une paire, une femme qui a accouché, un zav qui est devenu pur, eh bien, tu apportes de la même espèce. Tu ne peux pas apporter un qui sera tourterelle et l'autre qui sera pigeon. C'est soit deux pigeons, soit deux tourterelles. En mevin torim keneged bnei yona, on ne pourra pas apporter des torim en contrepartie de bnei yona. Velo bnei yona keneged torim et pas non plus des bnei yona en contrepartie ou en parallèle, ouais, avec les tourterelles. D'accord? Chaque espèce, tu as décidé d'apporter ton canne, ta paire de torim, tu apportes en tourterelle. En bnei yona, tu apportes en bnei yona, mais tu peux pas faire moitié-moitié. Maintenant, Keitzad, comment se présente le cas? Aïcha, Shevia, Khatata Torim. Une femme que, maintenant, elle n'est pas obligée de les apporter les deux en même temps. Elle peut, ça, si elle a toutefois un tor pour le moment, elle peut une tourterelle, elle peut le prendre et l'apporter en tant que Ola, Khatat, peu importe. Alors, Aïcha, Shevia, Khatata Torim. Une femme qui a décidé d'apporter son commande Khatat en tourterelle. Et ensuite, quoi? Ve olata ben yona. Et après, elle a porté sa ola en ben yona. Donc elle a fait un khatat en tourterelle, et sa ola en ben yona. Et ben elle ne s'est pas quittée. Tirpol betavi olata tor. Elle devra doubler et apporter de nouveau sa ola en tor, en tourterelle, comme son khatat. Idem si elle a fait le contraire. Elle a commencé avec olata tor. Elle a commencé avec sa ola qui était tor. Les khatata ben yona, elle apporte ensuite son combat en khatat en ben yona, en pigeon. Tirpol vetavi olata ben yona, elle devra doubler et apporter maintenant sa ola en ben yona. On constate que d'après Tanakama, il faudra apporter la ola. C'est-à-dire, si elle a fait une erreur, elle a apporté un khatat d'une sorte et une ola de l'autre sorte. Celui que tu as apporté en khatat, même si tu l'as porté en deuxième position, tu apporteras maintenant un deuxième korban, pour lui faire correspondre, et selon l'espèce du khatat. Désolé, je ne sais pas, je ne peux que bailler ce soir, désolé. Vetavi olata ben yona. Ben Azaï, maintenant, ça c'est la vie de Tanakama. Ben Azaï, on va, Ben Azaï enseigne, Olchin achar arishon, il faudra partir selon le premier. C'est-à-dire, on va prendre le cas où j'ai apporté, il y a deux espèces, d'accord? Tor et Ben Yona, on va dire espèce 1 et espèce 2. Tu dois faire 1-1 ou 2-2. Mais pas 1-2 ni 2-1. Maintenant, selon Tanakama, toujours, lorsque tu apporteras, si tu as apporté malgré tout un d'une espèce et l'autre de l'autre, celui qui sera le Khatat, tu le choisiras comme espèce principale, et tu l'apporteras ensuite, tu rattraperas le tir en apportant une deuxième Ola de cette espèce-là. Tu as apporté finalement, tu as commencé avec ta Ola en Tor, et ton khatat en ben yona, eh ben tu apporteras maintenant une ola en ben yona. D'accord? Ça, c'est selon Tanakama. Selon Ben Azaï, non. Selon le premier korban que tu as apporté pour ton expiation, même si tu as commencé à apporter ta ola, tu as apporté ta ola en ben yona et ensuite ton khatat en tor, eh ben tu apporteras un khatat en ben yona. L'avis de Tanakama, c'est pas tellement précisé. C'est pas tellement précisé, mais je suppose qu'il y a une très grande logique à ça. Que, selon Tanakama, je sais bien le comprendre personnellement, c'est que, on a déjà vu, en fait, depuis tout début de la Mishnah, il y a des korbanot chova et des korbanot nedava. Soit, il y a des korbanot que je dois apporter au Batamikdash parce que je dois me faire expier une faute, parce que je dois faire une certaine purification. Mais il y a d'autres korbanot, d'autres espèces de korbanot que je peux apporter même en tant que don. Un hola, je peux demain matin me lever et décider d'apporter un hola en korban, même si j'ai pas été imposé. Parfois la Torah elle va m'imposer d'apporter un hola, mais je suis pas fort. Même si elle ne m'impose pas, je peux décider d'en apporter. À la différence d'un khatat, tu l'apportes que dans des circonstances bien précises, pour expier une faute, ou pour finir une purification. Il y a un rituel bien précis, tu peux pas en faire ce que tu veux. Selon ce principe, j'imagine que c'est la raison pour laquelle Tanakama te dit, tu sais quoi, lorsque tu t'es trompé, tu as fait un mauvais khatat, c'est-à-dire tu as fait un khatat et un hola qui sont incohérents. Bon, bah écoute, la ola au pire,
Eh ben, elle sera considérée comme une hola cadeau. Et le khatat, c'est maintenant, c'est ton devoir de la porter. Eh ben, celui que tu auras apporté comme espèce, tu le compléteras avec une hola. Selon Ben Azaï, je ne sais pas expliquer pourquoi Ben Azaï, il ne s'est pas expliqué dans les Mefarshim. Pourquoi Ben Azaï a dit malgré tout, le premier, c'est lui qui a fixé, quitte à ce que finalement, ben quoi, alors la khatat qu'il a fait, il a fait une khatat de la batala, quoi, elle n'était pas bonne. C'est pas tellement précisé non plus. Qu'est-ce qu'ils feront les Kohanim avec cette khatat? Ils ne pourront plus la manger, elle était mal faite, ou bien elle a été. C'est pas précisé du tout tout ça. Ni dans le Bar Tanoura, ni dans le Tosfot Yom Tov, ni dans le Tiferet Israël. Je vais pas regarder ce qu'il y a d'autres Mefarshim. Ça reste en question, on tire en suspens. D'accord. On continue maintenant. Dernière partie de la Mishnah. Aïcha Shevia Khatata Vameta. Une femme qui apportait. Elle avait désigné une paire de Torim pour apporter un Khatat et un Ola. Aïcha Shevia Khatata Vameta. Une femme, elle a apporté son korban Khatat et puis elle est morte. Maintenant, les héritiers ont une Ola dans les mains. Qu'est-ce qu'ils feront? Yavu Aïo Oshino. Les héritiers apporteront sa Ola. Ils pourront apporter son korban. Par contre, pourquoi? Parce que une hola, c'est toujours un principe d'offrande à Hachem. Même quelqu'un qui est mort, les héritiers peuvent apporter sa hola. C'est pas tellement nominatif. Ça vient pas. Même si ça peut expier une faute, finir d'expier une certaine faute, mais malgré tout, la hola, elle est dans son essence, c'est une offrande à Hachem, un cadeau à Hachem, qu'on peut décider de faire même gratuitement. Donc de ce fait, les héritiers pourront faire la hola. Tandis que Olata va mettre un ciseau, si la femme elle a commencé à porter sa hola, et qu'après elle est morte. Et maintenant les héritiers ont un khatat, alors là, lo yaviu hayorshim khatata, les héritiers ne pourront pas apporter son khatat. Pourquoi? C'est la grande règle, vous vous rappelez, si je vous dis la phrase, je ne sais plus quoi encore, il y avait les 5 cas qu'on apprenait longuement dans Erchin, dans Kritut plutôt, je ne sais plus. On apprenait concrètement un korban khatat dont le propriétaire est décédé. On ne peut plus rien faire avec ce khatat, il faut le laisser mourir. C'était dans Toumra qu'on parlait longuement de ça. Et il faut le laisser mourir le korban. D'accord? Un khatat qui n'a plus de propriétaire à expier. Il n'a plus de faute, même, c'est le principe, de manière générale. J'ai un khatat. Si j'ai désigné un korban khatat, je ne l'ai plus retrouvé, j'ai pris un autre korban khatat. Le deuxième qu'on retrouve, on ne peut plus rien en faire. Il était prévu pour une certaine faute, il n'a plus cette faute à expier, parce que moi je me suis déjà fait expier par un autre corban. Lui, ben, il faudra le laisser mourir de nouveau, selon le même principe. S'il y avait aussi, il y a même aussi un khatat chez Metou Béaléa, il y avait son propriétaire qui est mort, et ben, il n'y a plus de faute à expier puisqu'il est déjà mort. Et du coup, il faudra laisser cet oiseau khatat mourir lui aussi. Lo yaviu yorshin khatata, les héritiers ne pourront pas apporter ce corban khatat. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Salam.